Pouvez-vous présenter votre compagnie ? Donc nous venons de Célestas, nous appelons la compagnie de l'évasion. C'est une compagnie qui est composée de musiciens et de plasticiens par ailleurs ont d'autres projets en parallèle. Et pour les spectacles de notre compagnie, en fait, on allie nos deux savoir-faire. Et nous sommes une compagnie avec une quinzaine de personnes. Avez-vous repris le mythe d'Orphée ? Au début du projet, on savait qu'on voulait travailler ensemble, donc musiciens et arts plastiques. On ne savait pas du tout sur quoi, et en fait, on s'est dit qu'on avait envie de travailler, de reprendre une histoire qui touche tout le monde. Et on est dans une période où la force, le pouvoir, souvent c'est synonyme de d'avoir des gros muscles et tout ça. Et là, en fait, l'idée d'avoir un héros qui soit fort par la musique, ça nous a plu. Et voilà. Donc c'était un peu le point de départ. Et puis après, on a beaucoup aimé en fait pouvoir travailler autour de la mythologie grecque, parce que finalement c'était un endroit où beaucoup d'imaginaires pouvaient être créés. Pourquoi avoir associé la musique et les ombres ? Qui a composé les musiques ? Alors la musique, on l'a composée avec quatre musiciens, donc un pianiste, un clarinettiste et deux percussionnistes, qui est donc Geoffrey et puis moi-même. On a repris des classiques connus et des improvisations sur chaque scène du spectacle. Chaque tableau a été vraiment le point de départ en fait de chaque scène. C'est vraiment des improvisations musicales et visuelles qu'on a fait en même temps en fait. Ah ouais. Et en fait, c'est pas la musique qui a été créée et ensuite on a mis les images dessus ou on a fait les images et la musique s'est fait. On a vraiment créé les choses ensemble. Pourquoi ? Parce qu'on voulait pas, on voulait vraiment que que l'écran et la musique en fait aient la même place et qu'on retrouve cet équilibre en fait tout au long du spectacle. Et voilà, donc c'est comme ça vraiment que ça s'est créé. Avez-vous d'autres passions dans la vie ? À l'évasion, on fait trois choses. On fait art plastique, théâtre et musique. Voilà, ce sont nos trois pôles d'activité. Qui a fait les décors ? Alors là, c'est vraiment tous les gens qui sont derrière. Ça s'est construit. D'abord, on a dessiné vraiment en direct pendant le spectacle. Il y a vraiment des dessins qui se font en direct. Après, il y a des dessins qui ont été. Enfin, en fait, quand Orphée descend dans les enfers, donc là, il y a des dessins qui ont déjà été faits, en fait, qui se déroulent. Voilà, après on a aussi choisi des techniques en fait très simples. On voulait utiliser des matériaux très simples et l'écran de papier parce que c'est un écran en papier avec du papier qu'on a fabriqué nous-mêmes et qu'on a cousu aussi nous-mêmes.
Est-ce que c'est dur de trouver le thème d'un spectacle ? Ça peut être n'importe quoi. Et après, par contre, c'est du travail et des recherches et des essais et des choses qu'on va pas garder, des choses qu'on va garder. Après, c'est beaucoup de choix de faire un spectacle. Je suis le juge invisible.